Bienvenue à ce troisième cours de ce cours complet de doctrine catholique. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je rappelle quelques points qu'on a signalés déjà. Donc il faut prendre les cours dans l'ordre. Hein. C'est une formation complète, c'est-à-dire qu'ils s'enchaînent pour arriver à un résultat sérieux à la fin. Donc prendre les cours dans l'ordre, ne pas faire comme des papillons. Enfin, je pense que c'est évident pour tout le monde, mais on précise quand même. Il y a des tas de cours hein, où on peut prendre par-ci, par-là. Nous, on fait quelque chose de complet, une formation complète. Donc, on fait ce qu'on veut, mais si on ne le fait pas, on risque d'avoir plus de mauvais résultats que de bons. Donc, il perd son temps, c'est pas la peine. Et puis, on recommande aussi de laisser du temps entre chaque cours. Donc nous, on met les vidéos à peu près toutes les 3 semaines, un cours toutes les 3 semaines, en 3 parties, pour laisser le temps de réfléchir, de laisser le temps mûrir les choses. En nous, ce sont, comme on l'a dit, ce sont des notions assez difficiles à intégrer. Premièrement, parce qu'elles sont abstraites. Deuxièmement, parce que c'est une abstraction assez poussée, la métaphysique, hein, on verra. Donc il faut laisser autant le temps de faire son œuvre. Si ça vous va, si ça vous plaît, mais je pense que c'est pas la peine de le dire, mais on peut toujours le signaler, si ça vous plaît, il faut le faire connaître autour de vous. Alors on voit que c'est quelque chose de conséquent, il y a 45 cours en tout, divisé en 3, donc ça fait 135 cours en tout, de plus d'une heure en moyenne. Donc on prend le temps, mais on a dit que c'est pour retrouver les certitudes qu'on a perdues aujourd'hui, de manière à être convaincu, à être capable de convaincre les autres. C'est de ça qu'on manque le plus aujourd'hui. Des connaissances, on en a, des tas, mais on a plus les convictions au sujet des vraies valeurs. On est en train de tout renverser. Hein. Je regardais encore une vidéo là sur l'amour et c'est complètement désastreux. Hein. Je ne sais pas si jusqu'où on va s'écrouler. Ça y est, c'est pratiquement sûr, mais bon, il faut éviter que les dégâts soient trop importants. Et puis c'est gratuit, donc n'ayez pas peur qu'il y ait eu quelques cours au début pour attirer, puis qu'ensuite on attire sur un autre site et de faire payer. Mon intention, c'est de tout mettre gratuit, tous ces cours-là, et puis même d'autres choses encore par la suite. Si Dieu nous prête de vie, voilà, bien sûr, évidemment, si je viens d'essayer entre deux, je pourrais pas assurer la suite. Alors, troisième cours de cette formation, donc être, essence, existence. Alors, comme on l'avait signalé aussi, si vous vous souvenez, il y aura une formation pendant les 2 premières années, une formation spirituelle. Et là, s'intitule « Préparer la terre ». Vous voyez un peu de quoi on veut parler, en pensant au passage de Jésus, de l'Évangile, où Jésus parle de la graine qui tombe dans la terre plus ou moins bien préparée. Alors, ce cours est fait, je rappelle aussi, il est fait pour tout le monde, il est même fait pour des incroyants. Alors on présente des thèmes, des choses qui concernent plutôt les croyants, mais bon, ceux qui ne sont pas dans la course, si on peut dire, ils n'ont qu'à se laisser porter et ça va s'éclairer. C'est fait pour ça, hein, c'est fait pour tout le monde normalement. Et donc c'est fait aussi pour ceux qui ont la foi, qui ont eu le catéchisme et une formation déjà. Et également, donc, pour ceux qui n'ont pas de formation. Là, normalement, on va avoir tout le principal. Bon, ça sera peut-être un peu plus dur pour ceux qui n'ont pas eu de formation du tout. Mais en principe, ces cours sont faits pour commencer au début et aller jusqu'à la fin. Et avoir à la fin toute une formation complète. C'est le but. Donc, préparer la terre, formation spirituelle. Nous avons mis l'accent dans la brève formation spirituelle à la fin du premier cours, si vous vous souvenez, sur l'extrême importance d'être disposé à aimer la vérité plus que tout. Bon, ça, je vous dis ça, c'est sûr que ceux qui rentrent, qui débarquent
on leur dit ça, ça peut les surprendre. Donc ça, tout ça, ça va se mettre en place, hein, vous inquiétez pas. Donc, on a mis l'accent sur l'importance d'être disposé à aimer la vérité plus que tout. Autrement dit, de lui accorder la place qui lui revient naturellement, c'est-à-dire la première, parce qu'elle est plus grande que tout. Ça, on peut comprendre quand même. Elle correspond à l'infinité de l'être et en définitive à Dieu. Elle est plus importante que tout, bah déjà parce que sans elle on ne peut rien faire, on l'a vu, l'être humain il ne peut rien faire sans la vérité, sans la connaissance, et la vérité c'est la connaissance bonne, hein, et l'erreur c'est la connaissance mauvaise, fausse connaissance. Et quand on pense que la vérité c'est la réalité en fin de compte dans l'esprit, et que la réalité c'est tout, et y compris Dieu, ben on comprend qu'elle est plus que tout en fin de compte. Hein. En effet, la vérité c'est la fidélité de notre esprit à la réalité, voilà. Car je suis dans la vérité quand ce que je pense dans mon esprit est conforme à ce qui est. Or la réalité c'est l'être, et on a vu que l'être a une dimension infinie, parce qu'il représente tout ce qui est et tout ce qui peut être. On ne se rend pas compte, on pourra réfléchir là-dessus, c'est pas évident. Tout ce qui est et tout ce qui peut être, on ne se doute pas jusqu'où ça peut aller. Et donc, si l'être, la réalité, a une dimension infinie, et si la vérité est une correspondance de mon esprit à la réalité, ça veut dire que la vérité a une dimension infinie comme l'être. De plus, la vérité, c'est ce dont notre esprit a besoin comme nourriture et comme lumière, comme on l'a vu. Hein, nourriture, ben, en tant que notre, on verra ça, hein, toutes nos facultés sont faites, ont un objet propre, qu'on appelle, on dit un objet propre. Et cet objet propre, ben c'est comme la bouche, l'objet propre de la bouche, ce sont les poireaux, la charcuterie, les frites, les gâteaux, la boisson. Ben de même, chaque faculté a une sorte de nourriture. Hein. Et la nourriture de nos facultés de connaissance, elle est comme une lumière, mais pas seulement une lumière impersonnelle, homogène, mais c'est une lumière qui contient en fin de compte toute la réalité déjà. On verra que la réalité vient d'un être qui l'a conçu d'abord pour la créer, et ensuite en nous elle est connue, elle est sous forme de connaissance et qui est une sorte de lumière. Bon, pour ceux qui croient, qui ont eu la formation, Jésus, premier chapitre de Saint Jean, l'évangile, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'avaient pas connu. Vous voyez, la vie était la lumière, et la vie, en fin de compte, c'est tout ce qui existe pratiquement. Et donc, si la vérité a une dimension infinie, et si elle doit être notre nourriture et notre lumière, ça veut dire qu'elle peut être constitutive de notre esprit, et que par le fait, nous pouvons acquérir nous aussi une dimension infinie. Ah, c'est intéressant ça. Il serait donc déplacé de faire passer devant elle, qui est infinie, des avantages finis de cette terre. Même nous-mêmes, qui sommes aussi finis, mais appelés à une dimension infinie pareil. C'est très profond ce que je vous dis là, hein. On pourrait y réfléchir par la suite, mais vous le comprenez, hein, dans le sens où la vérité, la connaissance se présente à nous comme une nourriture, et c'est vrai, hein, on est nourri, on n'y pense pas assez aujourd'hui, on est nourri par la connaissance. Et donc, elle peut être, la vérité peut être constitutive dans notre esprit. On verra que les anges, qui sont des esprits purs, sont en fait constitués de ça. Ça va loin. Hein, ça... Les anges, dans leur substance c'est la connaissance d'une certaine manière. Ça, on est complètement éloigné de ça aujourd'hui, parce que
la connaissance est passée souvent pour, surtout l'intelligence, pour une connaissance, pour une quelque chose de théorique, donc quand on dit théorique, nébuleux, bon, c'est en dehors de la réalité, c'est dans les nuages, c'est de l'ombre, c'est du rêve, c'est Kant, hein, entre autres, qui nous a inculqué ça. Non, la connaissance, la vérité, c'est la réalité en notre esprit. On verra que l'être de la connaissance est une sorte d'être qui peut être constitutif de notre esprit et donc nous faire grandir. En deux mots, la vérité est plus grande que nous. Elle a une dimension infinie. Et elle peut nous communiquer cette dimension infinie. Et donc, il serait absurde de lui préférer des biens finis, aussi grands soient-ils. Hein, Saint Augustin nous dit que c'est comme ça d'ailleurs, lui, c'est une de ses façons de démontrer que notre âme est immortelle, c'est justement qu'elle est constitutive de la vérité, et que la vérité qui est éternelle. La vérité, par exemple, comme je disais tout à l'heure, enfin, au cours précédent, le tout est plus grand que la partie, une vérité métaphysique, ben ça c'est une vérité qui sera vraie tout le temps. Et si on a cette vérité-là en nous, on a quelque chose d'infini en nous qui ne peut pas périr, et donc il en déduit, bon, il faut voir dans quel terme il précise cela, mais il démontre ainsi qu'on est infini du fait qu'on est constitutif d'une certaine manière de la vérité quand on le connaît. Refuser donc la vérité, la dimension infinie, pour un bien fini, c'est en définitive faire la pire erreur. Vous voyez ? Et cela équivaut à faire un trou dans notre embarcation qui finira par couler, car l'erreur, surtout l'erreur acceptée, l'erreur active, comme on l'a vu, est une corruption de l'esprit et du cœur aussi. Hein. Et la corruption est une décomposition dans l'être qui finit par faire des trous, pardon, et même à décomposer tout l'être. D'où l'importance de faire passer toujours la vérité en premier dans notre vie. C'est ce qu'ont fait les philosophes, tous les amoureux de la vérité, hein, et c'est la qualité que Jésus aime tant. Quand par exemple il rencontre Nathanaël, et lui dit, voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a pas d'artifice. Un homme vrai qui aime la vérité dans sa connaissance comme dans sa vie. Hein, Jésus, il aime bien les gens qui ont le cœur pur, qui ont le cœur droit, qui n'ont pas de duplicité. Hein. Il y a des tas de paroles comme dans les psaumes, là, je hais les hommes au cœur double, etc. Et c'est l'hypocrisie en fin de compte. Hein. Jésus dit à un moment donné, gardez-vous avant tout du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est-à-dire faire voir, faire croire quelque chose à l'extérieur qui n'est pas dans notre cœur. Il dit, gardez-vous avant tout, il n'y a rien de pire. Hein. Être dans la vérité, vivre dans la vérité. Même si elle nous rapporte des problèmes, des inconvénients, c'est pas grave, parce qu'elle finira toujours par vaincre la vie, évidemment. La vérité ne va pas être prise en défaut. C'est l'erreur qui va être prise en défaut et ceux qui la cultivent. Ceci est extrêmement important aussi en ce que la vérité est notre chemin vers Dieu. Et préférer autre chose à la vérité, c'est quitter ce chemin pour aller vers des biens finis, qui sont des biens aussi, mais pas tant que Dieu qui est infini et pour lequel nous sommes faits et sans lequel nous ne pouvons pas trouver le bonheur véritable. On verra ça, on en a déjà parlé, et on verra que le bonheur ne se trouve qu'en Dieu, et c'est pour ça qu'il nous a créés aussi. Hein. On le verra, on l'a vu, on le verra aussi. Et donc, c'est notre chemin. C'est ce qu'on désire en fin de compte sur la terre. On pourra prendre la vie par tous les bouts. On retombera toujours dans cette constatation que dans tout ce qu'on fait, on cherche le bonheur. Dieu est notre but. Nous avons été faits pour lui. On n'y peut rien, mais on en est heureux. C'est profondément gravé dans notre cœur, dans notre nature.
Et ne pas écouter notre nature en ce qu'elle a de bon, c'est risquer d'aller contre, la détraquer et se faire très mal. Ça, on verra ça aussi, on ne se rend pas compte aujourd'hui. On croit qu'on peut tout faire. On est libre de faire tout ce qu'on veut, mais on se rend bien compte que quand on ne va pas justement selon cette nature, selon certaines lois de cette nature, ben, ça se passe très mal. Hein. On a beau cacher la vérité, ça ressortira toujours. Donc cette préparation du cœur à l'accueil de la vérité, cette purification est extrêmement importante. Pour être bien faite, il faudrait se débarrasser de tous nos attachements pas vraiment utiles. Donc il faille se dépouiller de tout et vivre en ermite, en haillant sur une haute montagne. Nous pouvons même avoir des distractions très saines, comme de faire du cheval, d'aller au théâtre, faire des randonnées en montagne, du sport. Mais il faudrait, premièrement, ne pas s'y attacher au point de faire passer ce qui est secondaire en premier. Et deuxièmement, au contraire, l'ordonner à ce qui doit être premier dans notre vie, c'est-à-dire à l'amour de la vérité. Vous voyez, c'est très important ça, ordonner les choses, avoir un but, le meilleur, et redonner tout le reste vers ce but. Le sage, c'est celui qui sait ordonner sa vie selon les différentes valeurs des choses, en faisant passer en premier ce qui est premier, et en second ce qui est second. Et quoi de plus juste? Et pourtant, combien de gens le font, même des chrétiens? Le contraire, ça s'appelle faire passer la charrue avant les boulins, vous savez. Il n'y a rien de plus logique, hein. On a beau dire, ouais, mais on n'est pas libre à ce moment-là, on va être coincé, on sera plus libre de penser ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, de désirer ce qu'on veut. Mais quand on sait que ce qu'on veut, en fin de compte, c'est le bonheur, on le cherche dans tout ce qu'on fait, bah, c'est ce qui répond exactement à ce que nous désirons tous, en fin de compte. D'où toute l'importance d'ordonner les choses dans notre vie, de mettre en premier ce qui est premier, et en second, ce qui, ou en dernier, ce qui est second ou dernier. Il n'y a rien de plus logique. Hein. Reconnaître la valeur des choses, on avait parlé, on avait dit, vous savez, ce qui est marié et puis qui aime le chocolat plus que sa femme, bah, et ses enfants, bah, y a un problème, hein, parce que selon l'ordre des valeurs, selon la valeur du bien. Et évidemment, il faut mettre en premier ce qui a le plus de valeur, voilà, en second ce qui en a moins, et en dernier ce qui en a peu. On ne dit pas du tout, parce que tout être, dès l'instant où il est être, il est bien, hein, on a vu, le bien et le... L'être et le vrai se convertissent, donc ce qui est être est bien, donc même le petit être est un bien. C'est ce que Dieu demande en fait, et il n'y a rien qui le mette plus en colère que de voir ses enfants se servir de leur intelligence, excusez-moi, comme d'un manche à balai, et mettre en premier ce qui est absurde, et en dernier ce qui a le plus de valeur. Mais combien de gens le font ça? Par exemple, tout bêtement, Dieu, on met Dieu à la dernière place aujourd'hui. Hein. Vous regardez, on ne peut pas regarder, enfin, moi j'en vois pas, de documentaires sur la nature, sur les animaux, sans qu'on nous remette l'évolution sous le nez. Bon, toute évolution n'est pas à refuser, à nier, mais on ne parle jamais de Dieu. On pourrait parler de Dieu, pourquoi on ne parlerait pas? Ah oui, mais la science, elle ne s'occupe pas de Dieu, elle s'occupe de la science. Ben, la science, Dieu est objet de science, Dieu est une réalité. Quand on dit qu'une rivière, par exemple, vient d'une source, la source, elle vient de là, elle vient de là, on recherche la cause. Bon, pourquoi on ne parlerait pas de Dieu de temps en temps, même dans la science? Ben, vraiment pas, personne n'en parle. Bah, ils auraient des problèmes, hein, parce que Dieu est mis à la porte du monde. On s'en rend compte, mais c'est extrêmement grave. Hein. Bon, pas de tout le monde, hein, mais dans ce qu'on voit la plupart du temps à la télé, tous ceux qui se considèrent comme le centre du monde, ils ont mis Dieu à la porte. Hein. Et ça, c'est le pire le pire exemple de mettre ce qui est le plus important dans le moins important.
mettre en premier en l'homme ce qui n'a pas la plus grande valeur, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et vous voyez dans la... Et Dieu est très sévère contre cela, hein, comme on le voit dans la Sainte Écriture, parce qu'il ne comprend pas comment on peut préférer des choses de moindre valeur et négliger ce qui en a le plus, c'est-à-dire lui-même, pour lequel on est fait, en plus. On a vu que Dieu est l'être infini et le bien infini pour lequel notre intelligence et notre volonté sont faits. On le verra, on le voit déjà un peu. Ben oui, si Dieu est la vérité, s'il est le bien infini, ben le connaître, c'est connaître la vérité infinie qui est constitutive de notre esprit. On verra d'ailleurs par la suite que Dieu est lui-même vérité, c'est lui qui, bon, pour ceux qui iront au paradis, qui sera l'objet de contemplation de notre esprit, de notre être. On a vu, oui, que Dieu est l'être infini et le bien infini, pour lequel notre intelligence et notre volonté sont faits. On n'y peut rien, et c'est comme cela. Mais quelle merveille aussi d'avoir été fait pour le bien infini et par conséquent pour le bonheur infini. Personne de sensé ne lui reprochera. On verra que le bonheur est en fonction du bien. On le sait déjà, de toute façon, plus un bien est grand, plus on est heureux. On est plus heureux, par exemple, bon, relativement, avec 300 millions d'euros qu'avec 15 euros, pour donner un exemple un peu idiot, mais qui fait ressortir la vérité. Il faut donc bien travailler cette terre de notre cœur pour qu'elle soit le mieux accueillante à cette graine de la parole de Dieu, de sa révélation. Voilà. La révélation de Dieu, ben, c'est la vérité révélée par Dieu. On verra qu'on a deux façons de connaître la vérité. Par les moyens naturels, nos moyens naturels, par la réalité, la création, et aussi par Dieu lui-même qui se révèle, lui, en tant que bien infini, en tant que vérité infinie. C'est la parabole de la graine tombée en terre, tombée le long du chemin, sur la pierre, parmi les ronces, et dans la bonne terre. Vous vous rappelez de la parabole? Sinon, vous pourrez la retrouver. Évidemment, le Seigneur est assez intelligent pour ne pas semer lui-même la graine sur le bord du chemin ou sur la pierre ou dans les ronces. Ouais, enfin, on peut en parler peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien la parole de la parabole de la graine. Jésus prend l'exemple d'un semeur qui sème le grain, et qui est, bon, du grain tombe sur le chemin, du grain tombe sur la pierre, du grain tombe parmi les ronces et les épines, ben ça peut arriver, on peut penser que c'est pas très intelligent pour un semeur, mais bon, le vent peut emmener quelques graines et les mettre sur le chemin, ou sur la pierre ou dans les ronces, et il nous fait comprendre que, par cette parabole, que la parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu peut tomber sur un vainqueur qui est comme un chemin, hein, piétiné partout et n'importe quoi, sur la pierre, derrière les cœurs de pierre, on sait ce que c'est, un cœur dur, hein, qui ne veut pas se laisser attendrir. Les ronces et les épines, ben, ce sont ce dont on est envahi. Ben, aujourd'hui, on en a, toute cette télévision, ces médias, cet Internet, qui n'est pas mauvais en soi, mais il faut savoir le contrôler. Ben. Ou dans la bonne terre, et ben, la bonne terre, c'est la terre préparée, justement. Voilà, c'est ce dont on est en train de parler là. Donc, évidemment, le Seigneur est assez intelligent pour ne pas lui-même semer la graine sur le bord du chemin, ou sur la pierre, ou dans les ronces. Il veut nous montrer par là que la terre dans laquelle il sème sa vérité, sa parole, ce sont des êtres libres, hein, contrairement au chemin ou à la pierre, qui choisissent eux-mêmes d'être bord du chemin, c'est-à-dire piétinés par n'importe quoi, comme on disait, ouais. Pierre, c'est-à-dire dur comme elle,
ronce, c'est-à-dire un vrai fouillis en nous, ou bien bonne terre, c'est-à-dire un cœur bien préparé, pour recevoir cette graine et lui faire produire du fruit au centuple. On pourrait par exemple se demander en effet pourquoi tout cet enseignement que l'on donne, qu'on met sur Internet, à quoi bon? Et le démon, attention, ne va pas manquer de vous présenter cette tentation en vous donnant ses arguments habituels, comme par exemple que tous les saints n'ont pas fait de la philosophie, de grandes études, et pourtant ils sont devenus saints en s'attachant seulement à Jésus, en vivant l'évangile simplement. Bah oui, certes, mais est-ce si simple que ça, de devenir un saint, et d'écouter Jésus et de faire ce qu'il dit? Si ça l'était, pourquoi voit-on si peu de saints? Bon, on pourrait se consoler en disant qu'il y en a beaucoup, mais quand on lit la vie des saints, on ne voit pas énormément de gens qui ont une vie semblable. Alors oui, pourquoi voit-on si peu de saints, n'est-ce pas? Parce que la plupart des gens, même des chrétiens, ne connaissent pas toutes ces richesses qui renferment l'enseignement catholique, ni ne savent comment y accéder. Et comment le savoir, sinon par une solide formation. Et puis, il ne s'agit pas d'y accéder, il faut aussi comprendre. Et puis, il faudrait tant d'années de formation pour acquérir la science humaine, jusqu'à 25 ans parfois, les grandes études. Il faudrait 5 à 10 ans pour acquérir une formation professionnelle. Moi, je suis menuisier au départ, et il n'y a qu'au bout de 10 ans qu'on est vraiment à l'aise dans le métier, qu'on sait tout faire après. Mais il faut du temps. Et pour vivre cette vie supérieure en Dieu, il suffirait de feuilleter quelques pages de l'Évangile. Ne voit-on pas là toute la fausseté de l'argument? La science des saints, est-ce qu'il y a de plus difficile, de plus élevé? Et s'il faut tant d'années pour suivre une formation humaine, combien en faut-il pour suivre une formation surnaturelle? Et même si on objecte que Dieu est le pédagogue dans cette voie de la sainteté, ce qui est très vrai, Dieu veut aussi que nous nous formions nous-mêmes et en société, que nous nous formions les uns les autres, parce que Dieu nous a fait pour vivre en société et aller à notre bien tous ensemble, en nous aidant les autres, en nous aidant les uns les autres dans une organisation pleine de sagesse, comme on le verra largement en deuxième année avec la société humaine et en troisième année avec la société surnaturelle qui est l'Église. Et il est d'autant plus urgent aujourd'hui d'avoir une solide formation, comme on le disait, que l'erreur foisonne dans tous les domaines. On s'en rend compte. Mais... Et que sans être averti, on risque de se perdre dans tous les sens du terme, même avec une bonne culture. On le voit, on en voit les effets aujourd'hui, les dégâts. Et là, on va prendre le temps de montrer d'où ça vient tout ça, vous allez voir. La pensée mène le monde, vous allez voir comment tout a été faussé au fond de la pensée, à la racine de la pensée, et comment tout ça se rejaillit après dans les vies et fait des désastres. Et puis c'est le Seigneur lui-même qui dit de préparer notre cœur à sa venue, qui le dit. Et il l'a dit à plusieurs reprises, en particulier dans cette parabole du grain semé en terre. Il faut donc travailler à meublir la terre de notre cœur pour ne pas être un chemin battu par les opinions courantes qui se tiennent souvent loin de la vérité. Il faut ameublir cette terre, c'est-à-dire démonter ses opinions rigides, trop superficielles, pour accueillir la vérité profonde. Autrement, accueilli en superficie, le démon ne tardera pas à la faire périr par ses faux arguments. Le démon, il faut savoir qu'il est, c'est une intelligence. Les anges sont des intelligences. Et il est beaucoup plus malin que nous.
Il faut travailler à retirer ces pierres du champ, comme font les agriculteurs. Ces idées obstinées, sans fondement, qui empêchent le socle d'amoblir la terre et étouffent la parole. Il faut travailler à débroussailler, c'est-à-dire, comme on le disait, à débrouiller ce fouillis, à remettre chaque chose à sa place, selon sa vraie valeur, à tout ordonner au but ultime, à la plus grande valeur, et à éliminer l'inutile qui entrave. Le Seigneur nous commande aussi de préparer profondément la terre de notre cœur et pas seulement de manière superficielle, quand il dit de creuser bien avant pour retrouver le roc qui servira de fondation solide à la maison de notre vie. Là, Jésus prend un autre exemple qui n'est plus celui de l'agriculture, mais de l'art de bâtir. Hein, retrouver le roc qui servira Retrouver le roc qui servira de fondation solide à la maison de notre vie, qui ainsi ne risquera pas de s'écrouler à la moindre tempête, alors que la maison bâtie sur le sable, c'est-à-dire sur toute cette vie superficielle, sans consistance, au niveau de l'opinion et des plaisirs fugaces, s'effondre à la moindre tempête, ce qu'on voit réaliser malheureusement aujourd'hui dans notre pauvre Église, qui ne cesse de se dépeupler, et cela parce qu'on n'a pas pris au sérieux ce conseil du Seigneur, de nous préparer très sérieusement à affronter les adversités, non pas seulement violentes, mais encore, et ce sont les plus dangereuses, cachées sous la fausse apparence attirante du bien. Eh oui, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et le démon n'attire pas les gens avec ce qui repousse. Hein. D'où non seulement l'utilité, mais encore l'urgente nécessité d'une solide formation. Et bon, on donne quelques arguments, mais on les donne pas tous, on peut en trouver d'autres. Hein. Vous en trouvez par vous-même, il faut être armé. Oui, Dieu est là, Dieu est le plus fort, oui, mais le combat n'est pas entre Dieu et le démon, il est entre nous et le démon. Et donc, pour que nous soyons avec Dieu qui est le plus fort, il faut prendre les moyens qu'il faut. C'est sûr que Dieu nous aime, Dieu veut nous aider, Dieu veut être à côté de nous, Dieu veut être en nous, Dieu veut notre victoire, Dieu veut tout le bien qu'on peut imaginer pour nous, mais il n'agit pas en nous comme avec des marionnettes. Il nous a créé intelligents, on l'a fait remarquer déjà, Jésus reproche souvent, nous reproche souvent de ne pas nous servir de ce que Dieu nous a donné. Et Dieu ne va pas le faire à notre place, parce qu'il nous a donné des dons merveilleux, comme l'intelligence, c'est quelque chose de formidable, de fantastique, on va le découvrir. Il aime qu'on se serve de ses dons, et qu'on se serve bien de ses dons, de tous ses dons, et d'autant plus s'ils sont plus grands et plus importants. Hein, on l'a donné un petit peu l'exemple, bon... Hein, un père qui offre un jouet à son enfant, un jouet qui a coûté assez cher, et l'enfant il va s'en servir comme d'un ballon de football, alors évidemment le père ne va pas être content. Pas seulement parce que c'est de l'argent perdu, mais aussi parce que l'enfant ne se sert pas de ses moyens comme il le faudrait. C'est une joie pour un père de voir les facultés de son enfant se développer et fonctionner entre guillemets comme il faut. Et de même pour Dieu. Dieu est un père, on peut toujours prendre la comparaison. Pour finir, nous avons vu que si nous avons notre part à jouer dans ce cheminement vers notre bien éternel, la plus grande part revient tout de même à celui sans lequel on ne pourrait rien faire dans cet ordre surnaturel. Évidemment, c'est Dieu qui nous guide et il nous le dit lui-même, Jésus, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire absolument, mais dans l'ordre surnaturel, dans ce bonheur qu'il nous promet et pour lequel nous sommes faits. On a vu aussi qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui doit se vivre dans la liberté, que Dieu ne viendra jamais violer notre liberté parce qu'il le veut ainsi. Hein, vous voyez, une histoire d'amour, pardon, et une histoire d'amour se vit à Dieu.
Hein, Dieu n'agit pas avec nous comme avec des petites voitures pour nous conduire par-ci, par-là. Il nous propose et nous nous disposons et nous nous préparons à répondre avec l'amour que Dieu attend de nous. Et même si on se trompe, ça fait rien. Dieu, il est mieux qu'on se... Comment dire? Qu'on cherche, il est mieux qu'on se donne du mal à bien nous servir, à faire travailler, à former nos facultés pour arriver à un résultat. Si le résultat n'est pas obtenu, c'est pas, à la limite, c'est pas grave. C'est embêtant toujours parce qu'il vaut mieux avoir un bon résultat qu'un mauvais, mais Dieu veut que nous servions nos facultés et bien. Et c'est une preuve d'amour pour lui, de nous pour lui. Vous voyez, nous, il nous aime, il veut nous conduire au paradis. Mais il attend aussi de nous des actes d'amour, c'est-à-dire des actes par lesquels on va vers lui. On répond à son amour, on va vers lui à travers nos frères, à travers notre travail, à travers nos occupations. Vous voyez? Donc il y a toute une sagesse à acquérir pour aimer Dieu. L'amour se vit à deux, l'amour se vit à deux. Et donc Dieu nous aime, c'est vrai, et il le montre, et nous aussi nous avons à le montrer par des actes, pas seulement par des paroles ou des sentiments. D'où cette étape extrêmement importante dans la vie spirituelle de la prière de demande. Dieu ne demande pas mieux que de nous donner. Hein. Évidemment, on a notre formation réalisée par nous-mêmes, avec nos facultés. Mais en demandant l'aide de Dieu, parce que comme on vient de le dire, comme l'a dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut l'appeler tout le temps. Ça, c'est pareil, on croit que Dieu est là, il nous aime, il nous accompagne, tout va très bien. Ben non, il faut demander à Dieu sans cesse. Parce que Dieu respecte toujours notre liberté. Dieu ne demande pas mieux que nous donner, il veut même nous combler, hein, on prendra le temps de le voir. Mais il faut le lui demander, parce que notre liberté est impliquée. Parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour, qui doit se vivre dans l'extrême délicatesse de l'amour. Ah oui, où aucun des deux ne prend le moins du monde à l'autre, sans son accord. Et même sa demande, parce que l'amour sait se donner et non prendre, loin de là, c'est ce qu'on oublie aujourd'hui. Hein. On a perdu l'amour parce qu'on veut tout. À moi, mon plaisir, ma vie, mon bonheur, ma réalisation, la réalisation de ma vie. Et si je ne peux pas la réaliser avec un tel, je vais avec l'autre, etc. Non, c'est pas l'amour ça. L'amour, c'est donner, se donner, et non prendre. Vous voyez? Dans l'extrême délicatesse de l'amour à chaque instant. Dieu est comme ça, il faut que nous en devenions comme ça. Et il faut qu'on apprenne à vivre avec lui comme ça. Et c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un amour fantastique dans l'extrême délicatesse? Hein, la Sainte Vierge est un exemple admirable de cela. Avec Dieu, puis avec nous aussi. Hein, vous vous rappelez comment elle a dit à Sainte Bernadette, « Me ferez-vous la grâce de venir ici, tous les 15 jours, je ne sais plus les détails, mais me ferez-vous la grâce de... » Alors Bernadette, c'était la moindre, je ne sais pas comment elle était considérée, mais c'était une petite pauvrette de parents qui n'avaient pas d'argent. Bon, Sainte Vierge, la reine de l'univers, la mère de Dieu, la sainte, la plus grande sainte du paradis, me ferez-vous la grâce de venir. On a beaucoup à apprendre encore, hein, vous voyez, l'importance d'une formation. Dire aussi, Dieu peut la donner, ben voilà, il est en train de vous la donner là, par son misérable serviteur. J'espère que ça sera bien fait. Il faut donc demander à Dieu, lui demander les choses les plus impossibles. Ah oui. Il peut les réaliser. Il peut tout. Il est le maître de l'impossible. Mais il faut le lui demander. Et cela, dans l'ordre, dans la sagesse, selon les vraies valeurs. Demander en premier ce qui est premier,
en second ce qui est second, et en dernier ce qui est dernier. Bon, là, vous inquiétez pas, si vous rentrez bien dans le chemin de Dieu, dans le cœur de Dieu, il va vous. Hein, l'Esprit nous aidera, hein, l'Esprit Saint nous aidera à demander ce qu'il faut. Vous avez une parabole aussi de Jésus, du juge inique. Une dame venait demander, une veuve, une pauvre veuve, venait lui demander de lui faire justice, et il s'en moquait perdument, il se moquait de Dieu, comme il l'a dit, je me moque des hommes. Mais à force d'être importuné par la veuve, il a fini par céder pour qu'elle lui casse plus les oreilles. Alors, c'est marrant que j'ai dit, Jésus donne cet exemple pour prier Dieu. Bon, ben voilà, il faut casser les oreilles à Dieu. Ben, Dieu aime bien être prié, c'est une marque d'amour de nous pour lui. C'est pas une... Bon, on pourrait prendre ça pour les gens mal intentionnés, pour un désir de dominer, d'être... de voir les gens se mettre à genoux devant lui. Mais non, c'est une forme d'amour, de désir d'amour de nous. Dieu désire notre amour, on ne se rend pas compte de ça non plus. Et ça, c'est pas lui qui va le donner. Ça, c'est pour ça qu'il nous a donné la liberté. Il faut qu'on ait cette liberté de l'aimer, et Dieu attend notre amour. On ne dit pas qu'il a besoin de notre amour, parce qu'il n'a besoin de rien. En lui-même, il a tout. Il est tout. Mais d'une certaine manière, et Saint Bonhomme Quinn, comme pourrait dire Saint Thomas, il attend notre amour tout de même. Il en a, d'une certaine manière, il en a besoin. Et il a soif de notre amour, comme Jésus dit sur la croix, hein, j'ai soif. La première demande à lui faire à Dieu, c'est donc de nous aider à faire l'ordre en nous. Ah, et c'est important aussi, c'est à retrouver l'ordre des vraies valeurs, à comprendre combien il est lui-même notre plus grand bien, pour lequel nous sommes faits, et comment ordonner toute notre vie vers ce bien infini qu'il est. Voilà, bah, là déjà vous avez un bon sujet de méditation, plusieurs sujets même. Alors on essaye de donner la substance, mais après il faut justement travailler par vous-même et développer ces pensées profondes, bon, qui ne sont pas de moi, hein, je ne fais que essayer de reprendre la sagesse des grands saints, des grands docteurs, et de vous la retransmettre. Voilà. Nous abordons maintenant les notions fondamentales de métaphysique. Qu'est-ce que la métaphysique et pourquoi faire de la métaphysique, surtout dans une formation plutôt théologique et spirituelle? On en a déjà parlé, mais on va préciser ce point ici. La métaphysique, c'est une science, c'est la science de l'être. Qu'est-ce qu'une science? On l'a vu, c'est l'art de découvrir la vérité avec certitude dans un domaine. Et le résultat de cet art, hein, c'est l'art de découvrir la vérité dans un domaine, et le résultat de cet art. Par exemple, la science mathématique, c'est l'art de découvrir la vérité avec certitude dans le domaine des nombres et des figures. Et le résultat de cet art, bah, qu'on a dans les livres. Avec la science mathématique, on peut trouver des nombres à partir d'autres nombres dans des situations données. Par exemple, on peut calculer la hauteur d'un arbre à partir de l'ombre qu'il projette sur le sol, sans avoir à grimper au sommet. Ou on peut savoir avec certitude que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. Autre exemple, la science physico-mathématique. C'est l'art de découvrir la vérité avec certitude dans le domaine de la physique, c'est-à-dire de l'être inerte, en mouvement, et le résultat de cet art. Alors, les sciences peuvent se diviser selon le degré d'abstraction, comme on l'a vu, et aussi selon les domaines. Comme on le voit ici, comme le domaine du nombre, mathématique, de l'être inerte, physique, de l'être vivant, biologie, hein, de l'être connaissant, psychologie. Hein. Aujourd'hui, les sciences sont très mathématisées, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Actuellement, on ne peut pas étudier un domaine de la réalité sans en considérer son aspect quantité. Bon, j'exagère un peu, mais on n'en est pas loin.
Et cela parce qu'on est devenu matérialiste. Et une des propriétés principales de la matière, c'est la quantité. Ce qui fait que la question qu'on se pose souvent aujourd'hui, ce n'est pas « qu'est-ce que c'est ?», la recherche naturelle de l'homme, mais « quelle en est la mesure ?». C'est ce que répondra Einstein à Jacques Maritain, qui l'interrogeait sur l'être. Jacques Maritain, un des plus grands philosophes du XXe siècle, hein, français. Einstein répondra à Maritain, qui l'interrogeait sur l'être. Einstein répond « qu'est-ce que cela pour moi ?» Pour moi, physicien, la réalité, c'est quelque chose de mesurable, que je mesure, et dont je tire d'autres mesures. On comprend ainsi comment on est aujourd'hui à côté de la recherche naturelle de l'intelligence, qui se demande toujours qu'est-ce que c'est, hein, et qui attend comme réponse l'être, c'est-à-dire ceci est cela, et non pas quelle en est la mesure. Hein, quand je vois une... Bon, je vais voir, mettons un exemple plutôt, je suis dans le désert, je vois des poteaux électriques alignés, et puis au milieu, il y en a un qui est décalé. Pourquoi celui-là est décalé? Pourquoi tous ils sont tous alignés sauf celui-là qui est décalé, hein? On cherche la raison. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que... Hein? Ou alors, bon, n'importe quoi, un animal nouveau que l'on rencontre en Australie, on voit, je ne sais pas quoi. L'ornithorynque, et puis on se demande qu'est-ce que c'est cet animal si on ne connaît pas. Et la question des enfants, du moins, il y a une certaine période. Et la réponse au qu'est-ce que c'est ceci et cela, et non pas quelle en est la mesure. Vous voyez là, comment on fausse le désir de connaissance de l'intelligence aujourd'hui en se focalisant sur la physico-mathématique. Alors que, bon, ça n'empêche pas, hein, on dit que les nouvelles sciences ont apporté une nouvelle façon d'interpréter la nature, mais on a voulu que les nouvelles sciences effacent les anciennes, alors que ça ne tient pas, puisque les anciennes, justement, on va le voir, cherchaient qu'est-ce que la chose, qu'est-ce que l'être. Il est important de considérer l'aspect de quantité de la nature, mais... Ce n'est pas le tout de la connaissance, ce n'en est qu'une partie. On a bien fait de... À un moment, la métaphysique avait dévié, justement, au temps de Descartes ou un peu avant Descartes, ou au temps de Galilée, plutôt, en voulant s'occuper de ce qui n'était plus de son domaine. Et c'est là qu'elle s'est un peu plantée et qu'elle a été déconsidérée en partie, c'est en partie à cause de cela. Et c'est là que la physico-mathématique est intervenue, si on peut dire, pour considérer cet aspect de la réalité qui n'était pas du domaine de la, qui n'était plus du domaine de la métaphysique, mais il a fallu trouver une autre, enfin trouver une autre science, on connaissait déjà, on a fait qu'elle, on l'a développée. Cette déviation vient en particulier Descartes, qui avait précisément interprété la nature en termes mathématiques, parce qu'il aimait beaucoup les mathématiques. Bon, on le comprend, hein, c'est passionnant les mathématiques. Mais c'est aussi un des défauts des philosophes, souvent, c'est de se focaliser sur ce qu'ils aiment, et de croire que toute la réalité, en fin de compte, se réduit à ça. Au début de ses recherches, au début du monde, hein, l'homme a mieux suivi son penchant naturel à rechercher l'être lui-même. Et il a observé la nature en se demandant ce qu'elle est et en cherchant à y répondre par la définition qui nous donne la nature, l'essence des choses. Qu'est-ce que le soleil? C'est un astre qui donne la lumière et la chaleur à la terre et rythme la vie à sa surface. Hein, une définition. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas l'être aujourd'hui. Mais le fait est que les mathématiques ont pris une très grande importance dans les sciences qu'elles n'avaient pas avant, et qui dévient la recherche naturelle de l'homme. Bon, on répète, elle n'est pas inutile cette science-là, mais elle se prend pour la principale alors qu'elle n'est pas la principale.
D'où au début des recherches de l'homme, au début du monde, hein, sur la nature, il n'y avait pratiquement qu'une science qui s'appelait la philosophie, qui représentait la totalité du savoir rationnel dans la nature, à côté de l'histoire et de la poésie. Ça, c'est le revers, hein, si vous voulez vérifier. La philosophie, c'était l'amour du savoir, hein, philosophiam. J'aime la sagesse, hein, l'amour, c'est l'amour du savoir. Le désir de savoir pour lui-même, sans forcément avoir pour but une utilité. La philosophie, donc, dans l'Antiquité, étudiait la nature comme elle se présentait à la simple observation, c'est-à-dire l'être inerte, comme les roches, les minéraux, l'être vivant, comme les plantes, l'être vivant et connaissant sensiblement comme les animaux, comme on l'a vu, et l'être vivant, connaissant sensiblement et doué de raison, comme l'homme. L'homme philosophe, au début de l'histoire, s'est posé la question devant tout cela, en se demandant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'être inerte? Qu'est-ce que l'être vivant? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la raison? De là toutes les branches de la philosophie qui existent encore aujourd'hui. En ce qui concerne l'être corporel, on a ce qu'on appelle la cosmologie, qui découvre les notions très importantes de matière et de forme, on verra toute l'importance de ça, et celle de cause, les notions de cause découvertes par Aristote, comme on prendra le temps de le voir. Comme l'homme regroupe en lui les autres parties, on les a étudiées en lui en cette science qu'on appelle anthropologie, mot qui veut dire en grec « science de l'homme hein, », anthropos l'homme et logis, logos la science, et qui étudie l'homme comme être vivant, être connaissant et désirant sensiblement et rationnellement. Bon, je dis des choses un peu rapidement là, mais on prendra le temps de voir tout ça. On a étudié le fonctionnement de la connaissance avec ce qu'on appelle la logique. On est toujours dans les parties de la philosophie. Hein. Et le fonctionnement, entre guillemets, hein, de l'homme tout court, en relation avec sa fin, dans la morale ou éthique. Qui se demande ce que fait l'homme sur Terre, ce qu'il cherche principalement, et comment il peut y parvenir. Vous voyez, la morale aujourd'hui, hein, on va nous obliger à gnagnagna. Mais en fait, la morale, c'est tout simplement la science de parvenir à ce que nous désirons tous, tout bêtement. On a tellement décrié toutes ces choses-là. On a les poils qui se hérissent quand on entend parler de morale. L'éthique, ça va mieux, on a changé le mot, ça veut dire la même chose. Hein. Morale, ça vient du latin, et éthique, ça vient du grec. En fait, c'est la science de l'homme dans ce qu'il recherche dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire le bonheur. On verra ça, hein, vous allez voir que c'est passionnant la morale. Et on reste toujours libre, hein, et on verra ce qu'est la liberté et quelle place elle a, enfin pas quelle place, mais comment elle est au principe de notre vie morale en fin de compte. La morale tient compte de notre liberté, elle ne veut pas la restreindre ni l'étrangler. Elle inclut en elle la liberté, mais il faut savoir ce que c'est, tout a été chamboulé, hein. Faut tout remettre, hein, les valeurs des choses, ce qui est premier, ce qui est second, etc. Retrouver l'ordre. Voilà, et on s'est aussi posé la question d'un principe du monde, en ce qu'on appelle la théologie naturelle, qui cherche naturellement ce qu'est Dieu, naturellement, c'est-à-dire avec nos moyens naturels. On verra tout cela dans ces cours. Hein, rapidement, la différence entre la philosophie et la théologie par rapport à Dieu, c'est que la philosophie recherche à connaître Dieu par ses moyens naturels, alors que la théologie le cherche avec l'aide de Dieu. Donc, comme on le disait en toute cette nature, ou avec un grand N, hein, l'homme se demande qu'est-ce que c'est.
et répond à cette question par la définition. Par exemple, qu'est-ce que l'homme? C'est un animal doué de raison, hein, animal rationaliste. Mais pour trouver cela, il a fallu se demander qu'est-ce qu'un animal? Et qu'est-ce que la raison? Réponse, un animal, c'est un être vivant qui a la connaissance sensible. Mais pour trouver cela, il a fallu encore se demander qu'est-ce que la vie? Hein? C'est un être vivant, ben, qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que la connaissance sensible? Réponse, un être vivant, c'est ce qui a les fonctions de nourriture, de croissance et de reproduction. Et on voit bien que dans un être vivant, on trouve la matière, parce qu'un être vivant est un être corporel. Autrement dit, c'est une sorte d'être inerte avec en plus la vie. Et il en est de même pour tout ce qu'on veut définir. L'intelligence cherche, selon sa tendance naturelle, à savoir ce que sont les choses, leur nature, leur essence, à répondre à sa question « qu'est-ce que c'est ?». On va voir ce que c'est que l'essence, hein, la nature. Et en cherchant, bon là on le voit, c'est la réponse à la question « qu'est-ce que c'est ?». Et en cherchant à y répondre, à cette question « qu'est-ce que c'est ?», elle utilise des notions plus simples. Hein. On ne peut pas définir, on explique la définition, là, le mode de formation de la définition. On ne peut pas définir une chose avec des notions moins bien connues que la chose à définir. Hein, on cherche toujours des notions mieux connues pour nous faire connaître, comprendre à nous, ou quand on veut expliquer aux autres, des notions mieux connues pour nous faire connaître, comprendre, nous expliquer ce qu'est la chose dont on cherche à connaître la nature, l'essence. Hein, suivez, vous voyez, la métaphysique, c'est pas facile parce que ça... On est avec des notions abstraites, hein, donc au sens de, on verra ce que ça veut dire. L'essence d'une chose, c'est ce qu'elle est. Et ce qui nous dit ce qu'elle est, c'est la définition. Vous voyez, c'est logique. C'est-à-dire l'essence exprimée avec des mots humains. En fait, l'essence, c'est le sens des mots. Alors, on en a parlé déjà. Et donc, on cherche toujours des notions plus simples pour exprimer ce qu'on a compris de la chose, pour l'expliquer dans ce qu'on appelle la définition. Vous voyez là, on est dans la métaphysique, et vous voyez qu'on suit un chemin de réalité. Ce sont des notions abstraites, c'est sûr, c'est pas facile à saisir, mais... Ils ne sont pas des choses nébuleuses, vous voyez, on suit, remarquez bien, on suit un processus, hein. L'homme a cherché à connaître le monde, il s'est posé la question « qu'est-ce que c'est ?» Ça c'est des réalités, ce n'est pas des rêveries, ce n'est pas des choses dans les nuages. Et il a voulu répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» en donnant des définitions aux choses. Mais ce n'est pas la définition qui fait la chose, ce qui fait la chose, c'est l'essence, c'est ce qu'elle est. La chose est quelque chose, ça c'est pas une rêverie non plus, chaque chose est ce qu'elle est. Et une chose n'est pas la même que l'autre, si elles sont différentes. Et on fait remarquer qu'on entre dans la métaphysique, on vous fait rentrer dans la métaphysique, et vous voyez que, vous allez voir, que ce n'est pas la rêverie, c'est une science qui s'attache à ce qui est, à ce qui existe. On voit qu'on a là quelque chose de totalement immatériel, voilà, comme on l'a déjà remarqué. Car l'essence d'une chose, comme celle de l'homme par exemple, qui est d'être un animal raisonnable, on ne peut absolument pas la représenter avec un dessin. Et à la limite, on pourrait dessiner un animal pour faire comprendre qu'il a de l'animal en lui, mais de toute façon, la raison, on ne le peut pas. Et, hein, essayer de représenter un animal, animal. Pas un chien, pas un éléphant, pas une girafe, mais animal simplement. Quelque chose qui signifie, on ne peut pas. C'est ce qu'on appelle une notion abstraite, vous voyez. Commencez à comprendre ce qu'est une notion abstraite. De même la raison. Hein, on peut montrer un homme qui a la raison, on peut montrer des choses
des techniques formidables qui dépendent de l'intelligence humaine, mais la raison elle-même, on ne peut pas la représenter. Et pourtant, c'est quelque chose qui existe. Hein, parce que quand on dit « tu as perdu la raison ben, », c'est figuré, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a perdu l'usage correct de la raison. Et la raison, c'est quelque chose de tout à fait réel, pas une imagination. Voilà, et même si je dessine un animal pour représenter ce fait que l'homme a un côté animal en lui, quel animal choisirais-je pour le représenter? Un cheval, un singe, un éléphant? Plutôt un singe, bon. Mais même ainsi, ce dessin ne correspondrait pas correctement à ce que je veux exprimer. Avec ce dessin, on pourrait comprendre l'homme est un singe qui a la raison. Bon, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que l'homme est un animal raisonnable, au sens où il a les fonctions de l'animal, au sens tout à fait général, sans considération d'un animal d'une espèce particulière. Et comprendre ainsi comment cet objet, l'essence, la nature, ce qu'est la chose, ce que je veux exprimer par la définition, est complètement immatériel. Parce qu'il s'agit d'exprimer quelque chose de général, d'universel, qui ne pourra jamais être exprimé par aucun être particulier comme la notion d'animal. Je retrouve cette notion d'essence dans tous les animaux et dans l'homme, et donc c'est quelque chose de tout à fait réel, mais qui est en même temps totalement immatériel. On verra, c'est subtil, on verra comment il faut comprendre l'immatériel, parce que après en métaphysique, il y a différents degrés d'immatériel. Mais du point de vue de la réalité sensible, c'est complètement immatériel dans le sens où on ne peut pas le représenter de manière sensible. Alors, vous avez les nominalistes qui vont dire « mais non, c'est pas une réalité, c'est une représentation qu'on se fait des choses ». Donc on répondra à cette question aussi. De même, la notion de meuble, je peux l'exprimer par une définition, avec des notions plus simples. Mais je ne peux absolument pas la représenter par un dessin, bien que la chose elle-même soit matérielle et représentable par un dessin. Mais ce qui définit la chose, le meuble, je ne peux absolument pas le dessiner, parce que je ne pourrais jamais faire un dessin de ce qui constitue essentiellement un meuble. Je peux prendre des exemples de meubles de divers genres pour faire comprendre. Mais ce qu'est un meuble précisément, sa définition, je ne peux absolument pas le dessiner, je peux seulement l'exprimer par une définition, avec des mots. Définition qui va m'expliquer ce que c'est, ce qui répond à la question « qu'est-ce que c'est ?», c'est-à-dire son essence, sa nature. On peut donner une première réponse, si vous voulez, par rapport à la nominalisme. Quand on se pose la question sur une chose, qu'est-ce que c'est fondamental. Hein, après, on dira la chose, elle a ceci, elle a cela, elle a ses qualités-ci, elle a ses qualités-là. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que c'est, on demande profondément ce qu'est la chose en elle-même. Et donc, si ça n'existe pas, la chose n'existe pas à ce moment-là. Vous voyez, c'est pas facile à comprendre. Mais on voit que la vérité est là. Bon, on en reparlera. Un meuble, c'est d'après le Robert, un objet mobile de forme rigide, reposant généralement sur le sol, concourant à l'aménagement de l'habitation, des locaux privés ou publics. Et on voit que la définition elle-même, strictement, on ne peut absolument pas la représenter par un dessin. C'est quelque chose de totalement immatériel, et qui est pourtant réel. Parce que c'est l'expression de l'essence, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Hein? Ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Et qui répond à la question que l'intelligence se pose, l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est l'objet de l'intelligence. On le verra et on commence à le voir. Qui ne saisit que l'immatériel. Cet immatériel, c'est-à-dire l'essence, qui répond à la question qu'est-ce que c'est? Voilà, on termine cette première partie.
Rendez-vous tout à l'heure, deuxième partie.